Pied de foudre. D'accord, c'est pour les quêtes qui sont là. Bon, donc clairement, voilà, les quêtes indiquent déjà que faut quitter la forêt de Jade, quoi. On a largement dépassé. Hop. En même temps, je vous dis, niveau 93, on est censé prendre le. Enfin, déjà au niveau 90, on était censé prendre le. La porte des ténèbres pour aller à Draenor. Donc on est. On prend du retard sur les extensions, mais en même temps, sur les quêtes. Enfin, sur l'XP, honnêtement, on progresse suffisamment, quoi. Donc. J'ai envie de rester jusqu'au niveau 95 en Pandarie, quoi. Et encore pour le moment, on n'est que sur la forêt de Jade, mais il y a beaucoup de zones à Pandarie, hein, vous l'avez vu lors du timelapse. Et il y a des zones qui sont plus belles encore que la forêt de Jade, hein, franchement. La zone qui est là, là, le Val de l'Éternel Printemps, et moi j'adore cette zone-là. Par exemple, elle est superbe, celle-là en Pandarie. Et ça ressemble justement un peu à l'endroit où on est là. Bonjour. Salut, Le hop. serpent de Jade vous guide. Livret, jade, Ne voilà, vous ok. pressez pas. Donc ça, des livraisons. Voilà, ces zones-là, avec les émanations, la noire, là, on dirait un peu le. Moi, ce truc-là, ça me fait un peu penser à l'ultime Getsuga Tenshou de Ichigo. Ces trucs-là, je kiffe. Voilà, ça me fait penser à Bleach, à la forme, on dirait que voilà quoi, Ichigo utilisait l'ultime Getsuga Tenshou ici et qui reste des émanations. Bon après bon ici en l'occurrence il y a un dragon qui s'est fait couper en deux, mais c'est ça en fait. C'est quand on regarde de loin, hop. En fait voilà, hein, il y a un serpent ici qui a été coupé en deux. En fait, il s'est pris un Getsuga Tenshou en plein dans la tronche, quoi. Racontez-moi vos voyages. Bienvenue. C'est lui? Non, c'est pas lui. Ah d'accord, il y a du monde au-dessus aussi, j'avais pas vu. Madame? Madame, j'ai un colis pour vous. Bon, ok. On va la revoir après, mais. Ok. Parlez-moi de vos voyages. C'est pas vrai. Dis pas que la dernière est pas scriptée. Elle est pas scriptée, je crois pas. La dernière à qui on doit envoyer, elle est pas. Ah. Bon. On pourrait encore descendre, mais on va plutôt se barrer pour la vallée des quatre vents. Ce sera plus sympa.
Ça rame. Alors, je sais pas pourquoi, quand on quitte la forêt de Jade, à chaque fois ça rame. Je sais pas pourquoi. Si c'est lié à un déchargement de la zone ou. Ah, c'est en haut. Ah ouais, c'est là. Encore quelqu'un qui voyage. La fortune suit les amis des grumeleaux. De quoi avez-vous besoin? Suivez le voyage, directeur des ressources, ok. Protéger le festival. Ça suffit. Ok, c'est bon, hein, j'ai la première quête, c'est pas juste Du attendre. calme. Prochaine. Et donc l'autre festival. Je vois pas trop où c'est. D'accord, c'est là. Ah ouais, ok. Ouais, si tu veux. Ah d'accord, et puis je peux y accéder par là, c'est ça le truc, le délire? D'accord. Alors, je ne connaissais pas ce passage parce que voilà, chaque fois je vole en fait entre les zones. Mais en fait, il y a une grotte souterraine qui relie donc l'escalier dérobé avec la zone en haut. Donc, eh ben, on va la faire rapidement. Et puis, apparemment, j'ai oublié de prendre le fly ici aussi. Donc on va profiter pour le prendre. Et donc... j'y suis pas là. Non, festival, ça doit pas être là. C'est où? Parce que là, j'ai Binan. Et cette zone-là ressemble un petit peu à... Bah la zone décrite quoi. Festival de Brasse-Lune. Les braves gens de Minan savent faire la fête. C'est ça? C'est dans cette Minan, mais je... Je vois pas. Enfin, je... Bon, pour l'heure de scripter, c'est encore. Allez, hop. On va rebrousser chemin, on va se diriger vers la vallée des quatre vents. Mais on sait qu'à Binan, il y aurait des quêtes à faire, et éventuellement, si on voulait. Alors, par curiosité, parce que je connais pas vraiment ici, je vais aller checker ce qu'il y a là-bas. La sombre colonie. Ok. Il y a pas mal de mobs. Des mobs faciles à buter en plus. Jeune sombronné. Faut voir s'il y a moyen de faire un carnage ici. Voir ce que ça drop. Bon.
Continuons notre périple. Tiens. Oula. Bonjour. Récupérer cette marchandise au marché noir, c'est ça, c'est le marché noir. Battez doigt de sangsue. La prochaine est pour moi. Ok. C'est un peu au-dessus. La question, est-ce que... Non, ici ça a l'air d'être une sorte de cimetière. Jouer une zone ici, ici. D'accord. Là, il y a encore autre chose. Ok. Voilà. Elle a été buggée, Monsieur Cube. Ouais, à l'intérieur, il y a des trucs aussi. D'accord, ok, en fait tout était à l'intérieur en fait. Et je suppose que le boss, il est au fond de la caverne, ok. Allez, plus qu'une marchandise. Et puis, bah, c'est bon, on a le boss juste là. Je m'en doutais. Pourquoi il attaque quoi, là? Oh, putain, il y a un prêtre. Il y a un autre joueur. Ah, oh, j'y crois pas. Il y a un autre joueur qui va nous voler le boss. Je suis hors de portée. Je suis deg. Si on n'arrive pas à temps pour au moins choper quelques points de vie. On va pas arriver à temps. Non, on n'arrivera pas à temps, il l'aura buté avant. Ah, je m'en doutais. Bon. Bah écoutez, je vais couper et attendre qu'il repop. Parce que... voilà, ben je vais... Voilà, je vais couper et attendre qu'il repop parce que c'est triste. Et puis ben on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Bon, je suis de retour, il a repopé. On s'y attaque. J'ai mis par protection une pierre de dame, mais normalement devrait pas y avoir trop de difficultés à la battre. Hein. C'est juste qu'il a beaucoup de points de vie. C'est un beau sac à PV. 17 000 points de vie, c'est pas rien pour un mob. C'est déjà supérieur à moi, alors...
voilà. Eh ben voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, on se tire. Merde. Tirez-vous les affreux. D'accord, c'est pour ça qu'il y avait personne, c'est parce que. Oh. M'en douter. Voilà. Il est là. Il me faut une cible. Y arriver, c'est là. Ouais, vas-y, clique à côté. Bonjour. Que les brumes vous protègent. La prochaine est pour moi. Ok. On est d'accord que c'est... Non. Ouais, c'est ça. Hop. J'ai pas de quête ici. Non, j'ai pas de quête ici. Ok. Il me semblait qu'il y avait des quêtes ici, mais... Il semblerait que je me trompe. Et donc nous voici à la vallée des 80. Vous sentez bon la chair. Bonjour, amis des Grumelots. Mille adieux. Sont chelous ces créatures. Bon. C'est pas vraiment des pandas, je sais pas trop ce que c'est. On a quelque chose ici ou pas? Non, d'accord, ok. En fait, on remonte vers l'escalier dérobé là. En fait, c'est par là qu'il faut passer quand on est à pied. Donc, on arrive là. Ok. Et donc, quête suivante. Que je ne vois pas. C'était pas là, champ des champier de foudre. Si, c'est ça. Quoi, chaîne brune. J'ai une quête ici, mais je vois pas le chaîne enfin le PNJ qui s'appelle chaîne brune.
Je l'ai pas vu. Non, donc c'est pas lui. C'est un peu dommage. Bon, bah écoutez, il y a des quêtes à faire ici en tout cas, mais je pense que en fait on va plutôt remonter. Et puis non, parce que là je vois pas où est le PNJ là. Et puis il me l'indique pas sur la carte. C'est chiant. Au championnat. Il apparaît pas sur la carte. Donc j'en déduis qu'à mon avis, il est pas placé. Bon, il y aurait pas mal de quêtes à faire ici. Si on voulait. La vallée des quatre vents. Ouais. Moi, j'aurais plutôt envie de remonter vers le Val de l'Éternel Printemps, hein. Honnêtement. C'est plus classe et puis on a une zone de repos, enfin. On ferait bien les. Voilà quoi, le. Bon, on a presque fini le niveau 93. Et on ferait bien le donc l'intégralité du niveau 94 là-bas et puis terminé quoi. Ah, petit bug au changement de zone. Ok. Allô le jeu. Voilà. Pourquoi il recharge des données? Normalement j'avais tout chargé ici. Normalement j'avais tout chargé, mais non, visiblement il manque des données encore. Enfin je veux dire, j'avais tout chargé pratiquement tout en Pandarie quoi. Bon, bienvenue au sanctuaire des deux lunes. C'est un petit peu. C'est pas vraiment la capitale parce que c'est vraiment très petit, mais. Mais c'est un peu le lieu, ouais. Un peu un lieu central à. Putain, le jeu galère là à fond. J'ai plus rien qui tourne derrière pourtant. Bon. Ah mais merde! C'est chiant au bout d'un moment. Donc, petit point rapide. Ici, donc, on a voilà le maître des bandages. Donc, qui nous apprend les bandages de. Oui, bon, là, évidemment, je les ai appris, mais les bandages de d'éolienne et aussi on peut apprendre les bandages en bressoir ici on pouvait je sais pas pourquoi on peut pas les apprendre d'ailleurs ce qui est un peu embêtant et on a donc cette fournisseuse de enfin fourniture de tailleur profitez des bonnes affaires. Mon Dieu cette voix on dirait la voix dans les Bricomarchés, ce genre de choses.
Donc voilà, donc en fait j'ai ces 5-là. Déjà connu, déjà connu, déjà connu, déjà connu, déjà connu. Voilà. Et il y a donc il manque celui-là, donc ça fait 1. Oui, puis c'est 10 là, donc en fait il me faudrait 11 esprits d'harmonie, ce qui signifie. Eh ben, ouais, 110. Ah la vache, 110 granules d'harmonie. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Voilà, ça c'est juste pour avoir voilà tous les patrons de la Pandarie. Mais bon, voilà. Voyager prudemment. Et c'est ici que ça se passe, quoi. Après, il y a tout, hein. Fourniture des cuisiniers, il y a le cuir, il y a les calligraphies. Les geôliers, les herboristes, fait d'artifice, tiens. Et on a ici des composants divers. Le soleil éternel nous guide. Avec une elfe de sang, on a une elfe de sang là qui est. Pareil, qui s'est exilé en Pandarie, pourquoi pas. Voilà, ici on a tout ce qui est pareil, il y a des composants. Je sais plus trop ce qu'il faut là. Pastron, conquérant, maudit. Enfin voilà. Il y a, ici c'est là qu'on peut avoir de l'équipement un peu plus OP, mais c'est. On peut pas acheter ça avec des PO. C'est avec des. Je sais pas trop ce que c'est ces trucs-là. Outils raids. Enfin voilà, ça a l'air d'être des trucs qu'on drop plutôt sur les champs de bataille. Ici on a les banquiers, mais on n'a pas de commissaire-priseur. Ce qui est un petit peu chiant. Ici on a la pêche. Et la banane. Et ici, on a voilà, les transmogriffeurs et on a ici quelque chose de voilà que qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, mais on peut acheter si on veut une chambre de vide qui est en fait le tiens c'est quoi ça? Ouais, je sais pas ce que c'est qui est en fait un autre emplacement de coffre, c'est en fait une seconde banque qu'on peut acheter pour 100 PO. Je sais plus si c'est accessible de partout, mais voilà, en fait c'est une autre chambre. Enfin, c'est une autre, voilà, c'est une autre banque accessible pour une centaine de pièces d'or. Voilà, puis on a un portail vers Orgrimmar ici. Et on a fait le tour, plus ou moins. Qu'est-ce qui reste ici? Voilà, nourriture, boisson. Et si on retourne au rez-de-chaussée ici, voilà, on a un petit bar sympa avec des paravents. Voilà. Sponsorisé par Alicia Keller. Pardon. Et on a même un jacuzzi, mais il marche pas. On peut pas rentrer dedans. Mais c'est cool. Par contre, comment dire? Vous voulez faire des achats? Les boissons sont chères, hein. 2 PO quand même, la boisson. Que voudriez-vous apporter? Pardonner. Ça fait 10 pièces d'or pour mettre une race à notre personnage. Enfin voilà quoi, c'est cher.
Bon, on va se prendre les quelques quêtes qu'il y a ici. Comme ça, on... C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Parler à Fenrir. Dans le Val de l'Éternel Pointant. Ouais, mais non, enfin... Oui, c'est là où on est, hein. Oui, c'est là où on est. Je confonds avec parfois le sommet de Canaille, c'est pour ça. Mais oui, choqué. Vous Choqué pour cette serez au quête. service de la horde ou elle vous Non, je veux pas apprendre à forger, mais créer un passe-partout automatique. Non, hein. Allez, hop. Ça, c'est pour les forgerons. Je sais pas pourquoi j'ai accès à cette quête-là alors que je j'ai pas forgeron. Qu'est-ce qui te prend, toi? Parler. Les actes héroïques, terminer n'importe quel scénario en mode héroïque. Ah, c'est un. D'accord. C'est. D'accord, ça, c'est pour un donjon, ça. Au revoir. Parler au maître Rodin puis te rentrer dans. Ouais, non, non, ok. Le tigre blanc vous Ça, c'est protège. pour le donjon qui est plus loin. Pas intéressant. J'ai pas de quête ici? Non? Bon. Et donc je disais une quête ici. Que les esprits vous gardent. Buvez le vin de souvenance et soyez le témoin du passé de Saint-Kien. Ok. Il vient du passé. Retrouvez l'essence spirituelle de Vatarius. Ok. Honorez ceux qui nous ont précédés. Vous devez être dans la base avancée de... Ok. Si je bois là. Ok, je sais pas trop où je dois être là en fait. On va voir. Ah, c'est là? Non, c'est pas là. C'est là? Non. Je sais pas où c'est. Je suis con, quoi, moi. Ok, c'est là. Donc faut aller au sommet de Conlai. Ok, d'accord. Bon, et ça, pareil. Sinon, il y a celle-là. Allez, on va faire celle-là et puis on va. Je pensais qu'il y avait. Ah oui, c'est vrai, il y a des quêtes à l'extérieur. C'est ça que je me souvenais plus. Bienvenue. Ouais, non, ça c'est les mascottes, on s'en fout. Ouais, mais attendez, il y a peut-être autre chose que les mascottes. Oh, bonjour.
Donc ça c'est le combat de mascotte. Donc voilà, je joue à World of Warcraft, pas à Pokémon. Ok, ouais, donc ce sont des combats de mascotte. Ça c'est totalement Pokémon, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Les mascottes de World of Warcraft. C'est totalement Pokémon et voilà quoi. Alors, ici il y a de la quête. Commerçons et gagnons en prospérité. Alors toi t'es pas un panda, t'es un phoque. Parlez au pêcheur Aito. Bonne chasse. Ah d'accord, ok. Parler au fermier Yon, ok. Ah bah si c'est que des quêtes comme ça. Patience, patience. Au revoir. Maintenez la paix. Non mais des vraies quêtes, y a moyen d'avoir ou pas? Bienvenue. Ne vous pressez pas. Nous sommes les veilleurs sur le mur. Devenez révéré auprès des lotus dorés. Wow, ça c'est une belle quête ça. Racontez-moi vos voyages. Vivez pour vos rêves. Bien le bonjour. Le serpent de jade vous guide. Ok, d'accord. La prochaine est pour moi. Ah d'accord, ok, ouais, pour être révéré, il faut faire les quêtes journalières en boucle. Mais elles sont essentiellement liées au donjon, donc... Ok. C'est où? C'est là. Quelle sagesse recherchez-vous? Gardez les yeux et le cœur ouvert. Bon, on a un petit peu avancé vers le niveau 94. Ce sont les rêves qui nous ont guidés ici. Que la lumière vous guide. Marchez avec la terre mère. Bon, qu'est-ce qui reste là? Créature des mythes et légendes. Je l'ai pas vu ça. Dis pas que c'est la quête de. Bienvenue. Ok, donc c'est non. En fait, il me semblait qu'il y avait d'autres quêtes que ça, mais en fait ici c'est un énorme hub de quêtes en fait. Je pensais que c'était plus que ça. Non, le jeu galère pas du tout. Je sais pas ce qui vous fait dire ça.
Allez, niveau 94. Ok. Enquêter sur le gardien. Alors quoi? Qu'est-ce qui vous amène? Comment dire? Allez. Ah, parce que c'est la tête. Alors, qu'on soit clair, alors il y a une quête à rendre là. Bon allez, on va la rendre maintenant. Ouais, d'accord, les lotus dorés, je suis neutre et il faut être révéré. Bon, moi, c'est pas demain, quoi. Oh! Ouais. Je l'avais pas vu. Excusez-moi, mal placé. Ok. Alors ici, il y a plein de petits camps, mais pareil, qui ont beaucoup de quêtes. Mais c'est des quêtes assez standards. Et concentré, mon ami. Voilà, tu es six cornes, machin. Ce n'est bon contre l'ombre. Il y aurait énormément de quêtes aussi à faire ici, mais. Hop. Ok, excusez-moi. Ok, l'autre quête qu'elle a là, elle amène où? D'accord, elle renvoie étendue sauvage, donc au sud de la vallée machin. Donc ouais, ok, donc en fait ça nous disperse partout. Hop, on va monter. Hop. Trop au sud. Alors, oh, je suis beaucoup trop au sud en fait. Je vais hop. Parce que
Je vais quand même éviter de tomber sur le boss là, parce qu'il y a, un boss ici. Et genre qui one shot. Alors. Eh ben on est pas loin. C'est bon. D'accord, donc j'avais pas du tout découvert la zone en fait. Je vais dire il y a un flame en fait, non. Bon, voyons un petit peu. Cinématique. Je dois pas le buter. C'est un 110 élite, je fais pas le poids. Comment dire? Qu'est-ce qui vous amène? Comment dire? À bord de Mission? Parce que voilà, je veux dire, si je dois le buter, ben c'est mort quoi. Je fais clairement pas le poids quoi. Bon. Essence spirituelle de machin là. D'accord. Alors ça sent la grotte 4 parts. Ah, j'avais pas découvert ici, tiens. Bon, hop. Ok. Et puis ça bah c'est pas agressif donc bah on va hop succube. Par contre là ce que je vais faire je vais pas m'embêter. Alors on prend toujours la sécurité au cas où hein, au cas où ce serait encore buggé et que ça tape à 2000 hein, on connaît. Non. Allez, pompe-moi ça.
Mince, pourquoi j'ai changé de perso, je sais pas. Ça va le faire, mais c'est chaud, hein. Wow. Je m'attendais pas à ce que les deux autres rappliquent, en fait. Mais je crois que je me suis trompé de sort, en fait. J'ai utilisé mon sort de groupe alors que je voulais invoquer mon deuxième démon. Je crois que je me suis planté dans mes sorts, en fait, au bout d'un moment. Et que c'est ça qui a foutu la merde. Mais je m'en suis bien sorti. Il n'y a pas un fly ici? Bah ouais, c'est ce qu'il me semblait. Parlez-moi de vos voyages. D'accord, ok. Alors, attends, au revoir. Le serpent de jade vous guide. Non? D'accord, ok, donc non, en fait c'est pas un maître de vol, c'est... Apparemment, c'est pour activer la montgolfière, à mon avis, ça doit être lié à une quête. Ici, j'ai pas un fly. Eh, mais je suis pas du tout passé ici, en fait. Ok, donjon. Bon, on va retourner pour rendre la quête. Et puis, ben non, on va devoir faire les quêtes d'une autre zone, alors. Mince. Je comprends pas bien. J'ai un point d'exclamation jaune. Mais je vois pas où le rendre. Normalement, je le rends à la... Alors ça c'est une petite zone que j'avais pas découverte, c'est trop fort rien. Il y a plein de petites zones hein, comme ça de toute façon qui sont pas nécessaires en fait à la découverte entière de la Pandarie ou enfin voilà du territoire et qui peuvent être découvertes après. Et c'est pas gênant. Ça représente très peu d'XP en réalité. Hein. Même si avec l'exploration, on peut gagner 2-3 niveaux de temps en temps, le plus gros des niveaux, ça reste les... Enfin, les plus gros des niveaux, ça reste les quêtes. Pour XP, le mieux, ça reste de faire les quêtes. Ok, allez, hop. Et donc, c'est de ce côté-là. Salut. Donc j'ai buté ton fantôme là. Et donc cette quête-là,
Je peux pas battre le mec, c'est pas possible. Alors, et le dernier, donc j'ai dit que c'était là. Et donc idéalement, ouais, faudrait que je prenne Halte de la Domination pour aller récupérer cette quête-là. C'est une quête à combien? Ouais, mais c'est une petite quête à la con. Ouais, plutôt aller chercher des quêtes un peu mieux. C'est quoi ça? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on se fait? On serait bien les quêtes de... De Binan. C'est juste à côté, je pourrais y aller en fly. Oh, allez, hop. Adieu. Tant pis, ça me coûte une pièce d'or, mais... On va aller faire les quêtes là-bas, je les connais pas bien. Donc, ça va faire une petite partie découverte pour moi, et puis bon, bah, on va atteindre le niveau 95 là-bas. Et après, on part pour la part des ténèbres. Et porte des ténèbres, direction Draenor.